Et on se retrouve pour la deuxième coupe, donc. Qui, je sais pas du tout quand est-ce que je vais vous poster tout ça d'ailleurs, mais bon, ni combien de temps va se passer entre les deux, mais moi je vais enregistrer à la suite, hein, parce que faut pas déconner un peu. Ouais, en fait celle-là je l'avais déjà enregistrée, mais je pense pas que je vais la poster. Enfin l'ancienne. Celle-ci oui, parce que je m'enregistre. Alors je vais devoir bien préciser dans le nom de la vidéo, commenter, parce que sinon je vous connais, bande de sagouins. Vous dites que vous, notamment un, qui me dit que c'est mon plus grand fan, il regarde toutes mes vidéos, juste pour mettre un dislike d'ailleurs, espèce de salaud. Mais je suis sûr qu'il le fait pas en vrai. Par contre, si je mets commenter, là vous allez tous sauter dessus. Vous allez tous sauter dessus. Un pitch là, qu'est-ce qui lui arrive? Elle prend une avance pas possible. Allez. Je n'ai jamais su utiliser ce champignon correctement. Je crois que personne n'a jamais su utiliser ce champignon correctement. Boum. C'est un faux, c'est un piège! Putain! Putain, le Wario de merde! Qui me pousse dans les véhicules! Et à cause de ça, je. Ah, si, c'est bon. J'ai cru que je n'allais pas réussir à l'avoir. Enfin, à les avoir. Ouais, un boost. Boum. Les champignons sont vraiment de la merde. Non, je vois pas ça. Ouah, j'ai cru que j'allais les vider. Alors, Mario, tu vas te faire mettre. J'ai dit, tu vas te. Vous voyez à quel point c'est de la merde, les champignons? Ils servent à rien. Regardez! Il me rattrape immédiatement! Boum! Par contre, Toad. Ouais, je le rattrape, mais genre à peine quoi! Vraiment de l'arnaque les champignons dans ce jeu. Ah, vas-y, je dis que c'est de l'arnaque, donne-moi en plus! Salaud! Donc là, je me demande, est-ce que les deux devant ont disparu? Peut-être qu'ils ont juste trop d'avance. Ouais, qu'ils ont une grosse avance de bâtard, en fait. J'arrive quand même à me repérer sur la minimap en fonction de où je suis, parce que je connais quand même suffisamment bien pour me repérer sans points. Et ils ont une avance de bâtard. Et là, je pense que c'est eux qui ignorent la règle, enfin la règle, l'IA à la Mario Kart. C'est-à-dire qu'ils nous ont complètement oublié, et donc ils ne vont pas m'attendre. C'est moi le joueur en fait, ils s'attendent pas entre eux, hein, c'est con. Un petit peu même en fait, si, un petit peu. Mais bon, voilà, vous voyez le principe quoi, c'est. Ah non! Putain, j'ai un peu les méga boules, je passe, ça passe. Ce qui fait qu'en fait, je vais arriver troisième. Alors, si Toad me dépasse genre au dernier moment, je sais pas quoi, franchement, ouah putain, c'était chaud. J'ai les méga boules, putain, Toad. Allez. Allez, on les merde pas. Boum! On a. Il était passé, la baltringue était passée. J'ai un petit peu les boules. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, vous voyez, 10 secondes entre le premier et moi, quoi, c'est. Ça le fait pas. Ah, je sais vraiment plus faire les départs calmes. Ah oui, également je joue en progressif. Oh, ça c'est jouissif ça aussi. Je vous explique. À l'époque,
les jeux, la télé, tout ça était diffusé en ce qu'on appelle l'entrelacé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça veut dire qu'en fait, on doublait le nombre d'images, mais sur chaque image, on affichait que la moitié, une ligne sur deux. Voilà, c'était entrelacé. Et, parce qu'au final, ça permettait des gains de bandes passantes. Et avec le temps, tout ça s'améliorait, tout ça, donc on est passé au progressif, c'est-à-dire des images pleines. Voilà. Or, la 64, forcément, vu son époque, diffusée en entrelacé. C'était du... en Europe, du 50 Hz entrelacé. Donc, du 50 images par seconde entrelacé. Je joue sur émulateur. Ah, putain de baltringue. Non ! Non ! Non ! Non ! Satan ! Oh, le PD. Bon, c'est pas grave. Je vais me lancer ça comme ça, on sait jamais. Que je vais toucher, putain. Ouais, je suis mauvais. Bref. Oui, donc, vu que je joue sur émulateur, il me le désentrelace. Ce qui fait qu'en fait, je joue à 25 images secondes, qui est le véritable framerate de ce jeu. Ça passe. Mais en progressif. Qu'est-ce que ça change ? C'est vachement plus agréable à l'œil, en fait. Ça réduit la fatigue oculaire de manière assez franchement significative, d'ailleurs. Enfin voilà, c'est que du mieux. Et en fait, on peut se dire ouais, mais tu passes de 50 images secondes, certes entrelacé à 25. Putain, oh putain, j'ai cru que ça allait me faire deux fois de suite. J'ai eu un peu peur. Oui, donc on pourrait me dire, ouais, tu passes de 50 à 25, c'est quand même vachement moins bien, c'est vachement moins fluide, tout ça. Non. Non, parce que 50, c'est une image sur deux. Je veux dire, l'image, elle est jamais complète. Non, Mario. Non. Moi, j'ai juste dit ça en... J'ai juste dit ça, en fait. Point. Tu fermes ta gueule, tu fais pas chier, tu vas crever, quoi. T'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? C'est quoi ce truc qui vient de se passer ? C'est pas possible. Tu te fous de moi ? Tu te fous de moi ? Tu te fous de moi ? Sérieusement, tu te fous de ma gueule ? C'est quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que putain de quoi ? C'était quoi cette carapace rouge qui a popé de nulle part ? Me fais pas croire que c'était la mienne. Je suis cinquième dans le classement. C'est une catastrophe. Ah putain, en plus c'est la choc en montagne, elle est bien difficile celle-là. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. J'ai trop les boules. Dégage toi, fils de baltringue. Le mec il est plombier, qu'est-ce qu'il croit qu'il peut faire quoi? C'est un vieux italien dégueulasse. Avec l'arrêt du cul qui dépasse. Tiens, bouffe. Et je possède un peu la haine. Mais j'ai trop les boules. Franchement, j'ai trop les boules. Salaud. Mais ça, c'est faire. Ça me va. C'est un coup de pute, c'est salaud et tout. Mais ça me va. C'est Mario Kart. La carapace rouge, genre à 20 cm de la ligne d'arrivée. Qui arrive par un angle complètement non euclidien. Moi je dis non. Moi je dis non, clairement non. C'est pas possible. Alors j'espère juste que Peach n'a pas disparu. Oh la baltringue. Attendez un peu. Boum. Voilà. Ah non, putain mais j'ai rien dit en fait. Celui qui clignote, c'est le premier. Moi, je suis le truc vert. Hein. Donc, ouais, non, en fait, quand je vous ai dit ça, j'étais premier. Donc, Et voilà, ça y est, vous voyez, le premier nous a oublié. Il suffit que rouler une vitesse pas possible, un rattrapable. Et c'est cette salope de Peach. Je ne peux donc pas rattraper Peach. C'est mort. Je pense que même un speedrunner ne pourrait pas rattraper Peach. Runner pourrait attraper Peach. Parce que
Speedrunner ne fait pas le circuit. Speedrunner, il fait des choses pas très catholiques avec son jeu. Non ! Mais d'où j'ai freiné. Mais allez ! Merde ! Voilà. Putain. T'es ce tendu du string. Ah, expression de beauf. Oui, vous venez de les voir sauter, moi je saute pas, c'est normal dans ce jeu là. Dans cette version de Mario Kart, le saut il est pas. Non ! Oh putain. Oui ! Non ! Si ça passe, dis-moi que ça passe. Ça passe. Ça c'est pour le lol. J'ai un peu flippé. On va aller voir le temps de pitch quand même. Voir cette salope qui a disparu qui. Ah putain, elle est super loin devant quoi. Ah, 2-17 quoi, genre c'est pas possible de la rattraper. Je suis mort. Il reste un circuit quoi. Ah bah je serais pas premier sur le podium hein. Moi ça je vous l'annonce les enfants. Non, l'herbe de Satan. Voilà. C'est cadeau. Super, j'ai une banane. Ah ! J'ai failli rater mon virage. Même pas dans tes rêves. Boum. Ouh, j'ai touché quelqu'un. Je sais pas qui, mais j'ai touché quelqu'un. Putain, il me colle. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas Luigi, je suis pas gay avec toi. Ah putain. Non, calme-toi, voilà. Ça va. Boum. J'ai quand même un peu de temps d'accent sur ce circuit. Boum. J'utilise vraiment des expressions de merde. Mais. Dès qu'il s'agit de tension, temps d'axe, tendu comme un string. Vraiment aucun goût quoi, niveau expression. Non ! Je crois qu'elle s'est bouffé son propre piège. J'ai toujours kiffé le fait que la musique s'accélère au dernier tour. Ça fout une pression. Et ça fait une pression ma gueule. Et t'es dur, tu flippes. Et tu flippes ma gueule, je te dis tu flippes. Alors Mario non. J'ai donké là hein. Tu me casses bien les couilles. Boum, boum. Allez. Non. Si. Boum. Et bam. Ça c'était beau. Là si Donkey Kong avait été un vrai joueur, cet homme serait venu chez moi pour me tuer. Il serait venu chez moi pour m'assassiner, pour m'égorger. Je l'ai fait le plus gros coup de pute qu'on puisse faire dans ce jeu. Mais vu que c'est une IA, je m'en bats la race. Oh t'es sérieux, je suis premier. Oh ce miracle, oh ce miracle. Oh cette victoire satanique. J'y croyais tellement pas. Ah ouais, un truc que je comprends pas sur les drapeaux. J'aime beaucoup le fait qu'on voit Todd au fond. On voit toujours le quatrième au fond. Oui, un truc que je comprends pas, c'est les drapeaux. Là, je vais retourner un peu avant dans la vidéo, parce que là, je crois qu'on les verra plus très bien. Sauf celui que je veux pointer. C'est... Là, regardez, vous voyez le drapeau là? Il est blanc, avec un espèce de truc rouge dedans. Nous sommes tous entièrement d'accord. Blanc, truc rouge.
rouge, là on le voit un peu encore. Et toi, crache ton venin. C'est pas du venin de PD. Voilà. Regardez celui à droite. Celui qui est dans le noir, celui qui est dans la zone qui est pas censée être affichée. Ni vert. On dirait un détourage dégueulasse. Surtout que le vert fait le tour en plus, hein, alors que sur l'autre, le blanc il fait pas le tour. Voilà, je sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Et bien donc on va se retrouver dans une troisième vidéo pour la troisième coupe dont je ne connais pas le nom. C'est peut-être la coupe éclair. Je ne sais pas. Et donc, eh bien, à la prochaine coupe.